Au cours des derniers mois, de nombreux médias britanniques ont qualifié Meghan Markle de tyran. Accusée par trois anciens collaborateurs d'avoir eu un comportement humiliant et inacceptable, la femme du prince Harry les aurait poussés à bout et aurait sapé la confiance en elle d'une de ses employées. Souhaitant défendre sa cliente, CST dans le documentaire The Prince and the Press que son avocate s'est exprimée. Ce récit selon lequel personne ne pouvait travailler pour la duchesse de Sussex, qu'elle était un patron trop difficile ou exigeant, et que tout le monde devait partir, n'est tout simplement pas vrai, a déclaré Jenny Afia. Dans la bande-annonce de la deuxième partie du documentaire, qui sera diffusée le 29 novembre, l'avocate a expliqué que l'allégation globale est que la duchesse de Sussex est coupable d'intimidation et a affirmé qu'elle ne l'était absolument pas. En mars dernier, le Times avait affirmé que Meghan Markle avait fait l'objet d'une plainte pour intimidation déposée par l'un de ses proches conseillers alors qu'elle était membre de la famille royale au palais de Kensington. Dans une déclaration obtenue par People, le porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex avait déclaré « La duchesse est attristée par cette dernière attaque contre son caractère ». En particulier en tant que personne qui a été la cible d'intimidation et est profondément engagée à soutenir ceux qui ont subi des douleurs et des traumatismes. Elle est déterminée à poursuivre son travail en développant la compassion dans le monde entier et continuera à s'efforcer de donner l'exemple en faisant ce qui est bien et en faisant ce qui est bon. Pourquoi l'assistante personnelle de Meghan Markle a-t-elle démissionné ? Après avoir travaillé aux côtés de la duchesse de Sussex pendant 6 mois, Melissa Twabotty, qui était son assistante personnelle, avait démissionné. Pour le Daily Mail, une source avait assuré, son poste était soumis à une très intense pression et, au final, ce n'était trop. Elle a dû supporter beaucoup de choses. Meghan lui en demandait beaucoup et elle a fini en larmes. Melissa est une grande professionnelle et fantastique dans son travail, mais la situation était arrivée à un point critique et il valait mieux pour toutes les deux qu'elles prennent des chemins séparés.